Yo les supporters, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, ça va super bien. J'ai enfin bien dormi. Je vais commencer par la vidéo, par m'excuser pour le débrief d'hier soir, les gars. J'avais passé une nuit blanche et comme vous avez pu voir sur la vidéo, j'ai beaucoup bafouillé, j'ai cherché beaucoup mes mots. J'ai fait un peu n'importe quoi. J'aurais dû peut-être vérifier la vidéo avant de vous la mettre sur YouTube, les gars. Donc désolé pour ça. La prochaine fois, je ferai gaffe et je ferai en sorte d'être bien en forme avant de vous sortir une vidéo, les gars, parce que franchement, quand je regarde la vidéo, c'est quand même assez médiocre. Putain, j'ai un reflet là. C'est quand même assez médiocre. Voilà, désolé, je ferai plus attention la prochaine fois, les amis. Et donc voilà, les gars, aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouvel info mercato, les amis. On va commencer par parler de ça. Voilà. Donc les gars, aujourd'hui c'est Clinton Endis officiel. Monsieur se barre enfin un qui se barre à Moscou, les gars. Surtout que c'est Clinton Endis. Alors personnellement, c'est pour ma part, je pense que c'est pas une grosse perte, les amis. Bien au contraire, ça va faire du bien, ça va libérer un peu du salaire. On va pas gagner énormément sur ce transfert. Je crois que mon poteau Francky l'a dit, ça tourne aux alentours des 5 millions et demi à peu près. C'est pas énorme, mais voilà, c'est toujours ça dans les caisses, c'est toujours ça. Donc voilà, donc écoutez, on aurait aussi apparemment Benedetto c'est fait, il arriverait sur Marseille dans la semaine prochaine, les amis. Chose qui est bien, apparemment, les rumeurs de blessures, pas blessures, c'est des foutaises. Tant mieux d'un côté, hein, on va pas s'en plaindre, tant mieux que ce soit des foutaises. Donc voilà, les gars. Donc, bon, voilà. Sur Clinton Endis, j'ai rien d'autre à rajouter. Moi, personnellement, c'est pas un joueur que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Il avait un certain potentiel, mais je sais pas. Il y a un côté où il a été peut-être gâché. Voilà. Il y a un côté où il a peut-être été gâché et c'est dommage pour lui. Mais on lui souhaite quand même de réussir à Moscou. En Russie, il fait froid, alors bonne chance, mon poteau. Les gars! Les gars, les gars, les gars! Je reviens sur la vidéo d'hier soir, vite fait. La vidéo était nulle, quand même. Mais, chose incroyable, on a explosé, les gars, la barre de likes. On a passé les 20 likes. C'est la première fois sur la chaîne que cela se produit. Et merci à vous, les gars. Merci à vous d'être là et de soutenir la chaîne. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir, les amis. Vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer. Et merci les amis, et de toute façon je prends énormément de plaisir à vous partager mes sentiments et tout ce qui s'ensuit sur YouTube en ce qui concerne l'Olympique de Marseille avec vous les gars. Et ça me fait grave grave plaisir de vous partager tout ça. Et en plus de ça me fait encore plus plaisir car je vois que ça intéresse beaucoup de gens. Et en particulier Habib Diz que je tiens énormément à remercier. Merci à toi mon poulet pour tout simplement tout ce que tu apportes à la chaîne. Tu n'es pas obligé et pourtant tu le fais. Alors grand merci à toi mon ami. Et donc au passage les gars, petite pub pour lui les gars. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, abonnez-vous les gars. Ça me fera plaisir. Voilà, franchement ça me fera plaisir, il m'a beaucoup aidé. Et les gars, nous avons enfin atteint les 50 abonnés. Et pour ça, un grand, 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 grand merci à vous. Et je reviens encore un grand, grand merci à Habib. C'est grâce à lui, il me fait beaucoup de pubs. Et je pense que je t'en remercierai jamais assez, mon ami. Merci beaucoup, frère. Merci, merci, merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui me regardent. Et tous ceux qui laissent des likes. Et franchement, de voir qu'on a passé la barre des 20 likes, les gars. Mais ça m'a fait énormément plaisir, les amis. En plus de la victoire de l'OM, ah franchement, moi j'ai passé. Voilà, franchement, vous me faites passer des 24 heures vraiment sympathiques, les gars. Ça me met vraiment du baume au cœur, vraiment. Alors, merci à vous, les gars. Vraiment, merci à vous. Et pour vous remercier, demain, je me suis grave bougé le cul parce que vous bougez le cul pour moi, alors moi j'en ferai autant. Je me suis grave bougé le cul demain, les gars. Et demain sortira le prochain top, les gars. Je ne dis pas le joueur, je vais vous laisser une petite indice. À la dernière saison où il a joué chez nous, il a marqué 21 buts, les gars, pour une trentaine de titularisations. Et vous verrez demain, les gars, des buts. Tout simplement magnifique, les gars. Que ce soit de la tête, de la reprise, de ce que tu veux.
Voilà, donc si tu vois de qui je parle, il a mis 21 buts en... pour une trentaine de titularisations, je te donnerai pas plus d'indices, mon poteau. À toi de voir si tu trouves. Bien, de toute façon, c'est pas difficile, j'avais donné soit l'un soit l'autre, j'avais donné deux choix, donc ça va pas être très compliqué à savoir qui passera dans le prochain top. Mais les gars, ça sera demain, le top sort demain. Voilà, je me suis grave bougé le cul et ça va. Normalement, le montage sera assez propre. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain pour le prochain top, les gars. Et nouvelle information, c'est une vidéo pleine d'informations aujourd'hui, les gars. Nouvelle information, les gars, si nous atteignons les 100 abonnés, il n'y a pas de date limite. Ça sera dès aux 100 abonnés, les gars. Dès qu'on aura 100 abonnés sur la chaîne, les gars, je ferai un jeu concours et je vous ferai gagner une écharpe de l'Olympique de Marseille côté virage sud winners, les gars. Donc, elle sera évidemment sûrement orange. Genre, il y en a plusieurs. Donc, une fois le gagnant tiré au sort, je verrai avec le gagnant. Il aura donc la possibilité de choisir une des écharpes. Plus, si le contact du côté des winners est positif et que ce monsieur-là me sort des places pour la saison prochaine à prix raisonnable, je ferai gagner aussi une place, les gars, pour sûrement le premier match de la saison au Vélodrome, les gars. Et donc voilà, les gars, je pense vous avoir tout dit. Je vous remercie encore pour les 50 abonnés et qu'on ait passé la barre des 20 likes, les gars. Ça me fait énormément plaisir. Merci à vous. Soyez au rendez-vous demain pour le top. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et faites attention à vous, les gars.